All rise, vous le levez. Please be seated. Before we continue, Mr. Ivetich, the chamber would like. Le président, avant de poursuivre, Maître Ivetich, la chambre voudrait rendre une brève décision. Il s'agit d'une décision par rapport à deux requêtes déposées par la défense afin de faire verser au dossier quatre déclarations conformément à l'article 85A du règlement de procédure de preuve. Ces requêtes ont été déposées le 5 et le 7 décembre 2016. L'accusation a répondu à ces requêtes le 8 et le 9 décembre et la défense a déposé sa réplique le 9 décembre, ce qui a été, je pense, distribué de façon formelle aux parties ce matin-là. La défense soumet que ces quatre déclarations sont essentielles pour la détermination de la peine correcte si la Chambre concluait que l'accusé est coupable. D'après la défense, ces déclarations confirment le bon caractère de l'accusé. L'accusation s'est opposée à ces requêtes en soumettant que la défense ne fait aucun effort de faire comprendre pourquoi ces requêtes avaient été présentées 3 mois après donc l'expiration du délai. Et l'accusation dit que la défense n'a pas montré que c'est dans l'intérêt de la justice que ces déclarations soient versées au dossier. Pour ce qui est des 3 de ces déclarations, l'accusation dit que ces déclarations se concentrent sur les questions qui sont controversées pour ce qui est de cette affaire et pour ce qui est de. Et cela tombe sous la coupe de l'article 85A du règlement. Et si la Chambre fait verser ces déclarations, l'accusation va demander le versement d'un autre document pour ce qui est du contexte. La Chambre rappelle que le 26 août 2016 était le délai pour déposer les requêtes conformément à l'article 85A du règlement. La défense a demandé une prorogation du délai, après quoi la Chambre n'a pas fait droit à cette demande en septembre. Ensuite, il y avait la requête pour interjeter appel à la décision du 2 septembre 2016. À la décision du 2 septembre 2016, cette requête a été rejetée par la Chambre le 11 novembre 2016. La défense n'a pas montré de raisons valables pour lesquelles elle a déposé ses requêtes à ce stade de la procédure. Et la défense n'a pas non plus fait référence au contexte procédural que je viens de mentionner, mais la Chambre va examiner cela pour voir si c'est dans l'intérêt de la justice de donc appliquer l'article 85A petit 4 du règlement à ce stade de la procédure. La Chambre considère que la défense avait dit en août 2016 qu'elle voulait que certaines déclarations soient versées au dossier concernant la détermination de la peine. Ces 3 déclarations qui ont été versées au dossier le 5 décembre contiennent les informations concernant les contacts directs avec l'accusé. La Chambre s'est penchée sur les rapports entre ceux qui ont fait des déclarations et l'accusé, ainsi que le fait que ces déclarations ont une portée très limitée. La Chambre considère en outre que ces déclarations ont été présentées au début du réquisitoire et plaidoirie, ce qui a rendu possible aux parties de se préparer, de se pencher sur ces déclarations. La Chambre considère finalement qu'il est important de donner à la défense encore une possibilité de présenter des moyens de preuve limités dans cette affaire et
Dans de telles circonstances, la Chambre constate qu'il est dans l'intérêt de la justice de mettre à titre exceptionnel les trois déclarations qui ont été versées au dossier le 5 décembre. À ce stade de la procédure, la Chambre souligne qu'il s'agit des documents qui concernent la détermination de la peine. Pour ce qui est d'autres informations contenues dans ces déclarations, ces informations ne seront pas examinées par la Chambre. La Chambre considère que la déclaration qui est dans la requête du 7 décembre montre que cette personne qui a fait la déclaration n'a jamais rencontré l'accusé. En outre, ces déclarations concernent les questions pour lesquelles la Chambre considère qu'elles ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la fixation de la peine. Et dans d'autres circonstances, la Chambre considère que cette déclaration ne sera aucunement utile à la Chambre pour ce qui est de la fixation de la peine. Par rapport au document que l'accusation propose au versement dossier, la Chambre note que ce document contient les informations concernant le contexte et le fait de savoir si des musulmans avaient été expulsés ou pas. Pourtant, puisque la Chambre va faire verser au dossier ses déclarations aux fins de la détermination de la peine, il n'est pas nécessaire de faire verser au dossier d'autres documents contenant des informations eu égard à certains autres crimes. Par conséquent, la Chambre fait verser les trois déclarations proposées au versement par la Défense le 5 décembre et refuse de faire verser au dossier le document proposé au versement par l'accusation et refuse de verser au dossier la déclaration dont le versement est demandé dans la requête du 7 décembre. Donc, Maître Lukic, ces déclarations ont été présenté à l'annexe confidentielle. Est-ce que vous demandez le reversement sous scellé? Et si c'est le cas, sur la base de quoi vous voulez que ces documents soient versés au dossier sous scellé, Maître Lukic? Nous demandons qu'on passe à huis clos partiel. Le président, oui. Nous allons passer brièvement au huis clos partiel.
Nous allons revenir en audience publique. Le greffier d'audience, nous sommes à présent en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur le greffier. Il faut que vous réserviez trois côtes D pour ces déclarations, les déclarations qui vont être téléchargées par la défense par rapport à la détermination de l'appel. Le greffier d'audience, oui, Monsieur le Président, ces côtes seront côtes D 21, 40, 82, 83 et 84. Le Président, une fois ces documents téléchargés, une fois notre décision rendue concernant le versement sous-scellé ou pas, nous allons vous donner d'autres instructions pour ce qui est de joindre ces déclarations, de leur accorder ces cotes réservées. Le Président, ces documents restent sous-scellés à titre provisoire jusqu'à ce qu'une autre décision ne soit rendue. Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre. Maître Ivetic, il est également important de dire que pour ce qui est de la théorie de l'accusation concernant l'entreprise criminelle commune principale, l'accusé a posé une question rhétorique à Karadzic et à Krajicnik en disant que si ses objectifs stratégiques étaient interprétés comme génocide, alors ils ne seront pas en mesure de l'expliquer au monde. Donc le moment et le contexte de cet avertissement sont essentiels pour comprendre l'état d'esprit de l'accusé. Il est difficile de voir comment on peut déduire une volonté de déplacer de façon permanente des musulmans de Bosnie et des croix de Bosnie. Par rapport à une opposition motivée et résolue, bien que prudente, et c'est tout à fait compréhensible, opposition à ces interprétations plus néfastes de ces six objectifs stratégiques et l'opposition aux dirigeants de l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Comme cela a été dit dans notre mémoire en clôture, et c'est la diapositive suivante, au paragraphe 795 et 796, où il s'agit de l'intention pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune principale. L'accusé commandait la VRS et il était conscient du fait que l'indiscipline et la criminalité étaient contre-productifs. Il s'agit de la pièce D944. Les dirigeants musulmans entravaient ces tentatives et procédaient à des opérations d'offensive pendant la cessation des hostilités à Sarajevo. Dans une lettre adressée au commandement de la FORPRONU, Mladic a énuméré 803 violations de la cessation des hostilités entre le 23 décembre 1994 et 2 mars 1995. C'est la pièce D1665. L'accusation a utilisé de nombreuses déclarations faites par d'autres personnes en présence de Mladic pour prouver cette intention qui était la sienne, mais on ne peut que tirer des conclusions limitées pour ce qui est de l'intention de Mladic en se basant sur des déclarations incendiaires sélective des hommes politiques prononcés aux réunions auxquelles il assistait. Et c'est en particulier vrai, vu les éléments de preuve qui disent que Mladic a exprimé son désaccord et de temps en temps a fait des déclarations conciliantes pour ce qui est de ces déclarations. Les six objectifs stratégiques peuvent, et les fins stratégiques sont donc, deux choses différentes. Il y a eu une confusion lorsqu'il s'agit des objectifs stratégiques dans des ordres militaires. Cela
pourrait concerner des objectifs militaires légitimes ou politiques, par exemple, la note de bas de page 21-25 du mémoire en clôture de l'accusation, les ordres de l'Assemblée de l'ARS du 12 mai 1992, lorsque les objectifs ont été adoptés, on a fait référence à ces objectifs comme étant des objectifs stratégiques. La note de bas de page 23-52, c'est l'ordre de la VRS signé par l'accusé, où on peut lire à l'accomplissement des objectifs stratégiques 1994, pièce P42-68, page 6. Mais la citation de l'expert militaire Tonus et le rapport de combat de la VRS font référence à ces objectifs. Et c'est 30-29 et P324. La différence entre ces deux termes, fin et objectif stratégique, est importante, puisque l'accusation au début de l'analyse concernant chacune des municipalités et dans leur mémoire en clôture, essaie d'établir un lien entre les crimes présumés et les objectifs stratégiques politiques. Kelechevich s'est vu poser la question concernant ce lien. Avec la directive numéro 1 à la page du compte rendu 37378, il a répondu, je cite, non, personne ne peut formuler cela de cette façon-là. L'objectif était toujours de garder ceux qui étaient loyaux et qui étaient pour la politique de la République Srpska et qui étaient prêts à rester dans cette région. L'objectif était de les garder dans cette région, de les intégrer à des forces armées et non pas de séparer des peuples d'une façon aussi déterminée. Fin de citation. L'accusé a montré son intention d'interdire que les civils soient maltraités et de les protéger de la violence. Il ne s'agissait pas des ordres superficiels, comme dit l'accusation, mais des exemples qui montrent un doute raisonnable par rapport au fait que l'accusé était membre d'une entreprise criminelle commune qui avait pour but de réaliser un plan criminel commun, P474, et c'est la pièce qu'on a déjà vue. C'est la diapositive où on peut voir quelles étaient les mesures de protection ordonnées par le général Mladic concernant des civils et des prisonniers de guerre. La diapositive suivante, D187, l'ordre également rendu par Ratko Mladic au point 1, et je cite, « J'interdis strictement des actes inhumains, traitement cruel des civils, des prisonniers de guerre et des membres des organisations internationales. » La diapositive suivante, D1514, il s'agit d'un ordre de l'accusé daté du 28 novembre 1992, où on peut lire, d'après les informations disponibles, des personnes inconnues ont harcelé la population musulmane à Varkhari et à Burati. Et par rapport à cela, j'ordonne ce qui suit. Il faut prendre des mesures immédiates pour que la population musulmane dans des villages suspensionnés soit protégée de la violence des individus, puisque ces individus, parce que ces personnes sont loyaux à la République islamique. Je pense qu'il y a une erreur de citation. Je pense que c'était pas un, c'était I en anglais, donc je. Donc je prends des mesures immédiatement. Merci Dimitri Vetic. Et la VRS a pris des mesures pour protéger les non-serbes des violences. Au D824, paragraphe 23, nous avons le premier corps de commandement du corps de la Krajina qui protège les populations musulmanes de personnes habitant dans les lieux. Je cite, les actions
d'individus responsables ont causé un malaise parmi la population musulmane des villages de Batkovac et Stari Maïdan. Le commandement du premier corps de la Kraïkina est intervenu en envoyant un peloton de police militaire pour protéger la population de ces individus responsables. Mais, comme c'est souvent le cas, pendant la guerre, il y a eu une migration importante. Il y a eu une série de raisons que l'on peut... il y avait une série de raisons que l'on peut attribuer à Mladic ou à la VRS, examinée au paragraphe 778 et 779 du mémoire de la Défense. Par exemple, la crainte par rapport à la sécurité de la population face à la guerre. Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles davantage de non-serbes ont quitté leur domicile. Il existait des instructions des autorités croates et musulmanes elles-mêmes. D 699, paragraphe 31, et D 884, paragraphe 20, par exemple. Et nous avons ici à l'écran D 193, instruction du SDA pour évacuer Trebinje. Je cite, avec l'aide de nos militants, encourager tous les musulmans, notamment les notables et les riches, à quitter Trebinje le plus rapidement possible et passer au Monténégro. N'hésitez pas à faire pression, voire à utiliser la force contre les musulmans qui ne respectent pas cet ordre. Fin de citation. Le président Maître Ivetic, on peut l'examiner, mais est-ce que vous avez une chronologie? Nous pouvons vérifier cela, mais ce serait mieux pour pouvoir bien vous suivre. Il faudra que je... consulte mes notes, le président, merci. Maître Ivetic, il y a eu des cas où des civils ont été évacués à titre provisoire de certaines zones, telles qu'indiquées au paragraphe 780 et 81 du mémoire de la Défense. En vertu du droit international humanitaire, le déplacement des populations civiles est autorisé pour deux motifs. Soit la sécurité de la population, soit des raisons militaires impératives. Fin de citation. Je vous renvoie au paragraphe 93 de la décision du procès en appel de Gotovina où cette chambre a relevé que certaines preuves invoquées pour prouver l'entreprise criminelle commune auraient pu se référer à, je cite, un consensus légitime visant à aider les civils à quitter provisoirement une zone de conflit pour des raisons comprenant un avantage militaire légitime et la réduction des pertes. Dès lors, l'examen des prétextes des attaques à l'artillerie, de l'évacuation de civils et de la mise en place de corridors de sortie peut être raisonnablement interprété comme s'inscrivant dans des opérations de combat légitimes et des activités de relations publiques. Fin de citation. Le procureur demande à la Chambre de considérer toutes les mesures prises par les prétendus membres de l'entreprise criminelle commune comme ayant été adoptées au service de cet objectif criminel. Paragraphe 499 à 128 du mémoire. Elle s'abstient d'aborder des alternatives qui sont des explications qui sont raisonnables au titre des preuves, notamment que Mladic travaillait avec des fonctionnaires pour s'acquitter de ses obligations militaires légitimes. Plusieurs réunions ont eu lieu entre Mladic et des dirigeants civils qui étaient obligatoires et légitimes. Les 11 prétendus membres, à l'exception d'Arkan, étaient des fonctionnaires serbes ou de la Republika Srpska. L'accusé avait l'obligation légale de
rencontrer et de parler de la situation militaire avec des membres de la présidence de l'ARS en cherchant à utiliser les comptes rendus de réunion pour prouver la coopération. La procureure a en fait souligné l'absence de discussion d'un projet criminel. Même s'il existait plusieurs centres de détention qui ont été créés et gérés par plusieurs groupes, l'accusation prétend qu'il constituait un seul système. Mais en vérité, la VRS ne gérait que deux centres de détention, Magnatcha et Batkovich. Magnatcha a été créé fin 1991 par la JNA. Il a ensuite été fermé et rouvert comme camp de prisonniers de guerre pour détenir des suspects accusés d'attaques contre les militaires. Cela est abordé au paragraphe 510 et 705 à 526 et 839 à 906 du mémoire en clôture de la défense. Le procureur prétend que la majorité des prisonniers de Magnatcha étaient des civils et qu'ils y étaient détenus sans motif. Toutefois, les éléments de preuve ont démontré qu'il existait une procédure d'admission détaillée pour les prisonniers de guerre et les personnes soupçonnées d'être des combattants, et tous les détenus étaient enregistrés P. 6993 montre que des enquêtes